verso de l'architecture romane était construite à partir d'un cintre en bois, une structure provisoire le long de laquelle on empilait simultanément les voussoirs. Ensuite, on retire le cintre en bois. La voûte subit son poids, une force verticale, mais aussi des poussées latérales, des poussées horizontales, qui doivent être reprises par des murs épais appelés contreforts pour éviter l'effondrement. La clé de voûte assure le maintien de l'ensemble de la structure. Avec l'architecture gothique apparaissent les voûtes en croisée d'ogives, constituées de deux ogives croisées à angle droit au niveau de la clé de voûte. On construisait ensuite des arcs grisés, caractéristiques de l'architecture gothique. De cette manière, la quasi-totalité du poids est répartie par les ogives au niveau des piliers. On pouvait donc construire des voûtes beaucoup plus hautes que pour l'architecture romane, la poussée étant beaucoup moins importante.